أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Bien, je vais vous parler maintenant des trois étapes de la ruqya. Comme je vous ai dit, on est un groupe, alhamdoulillah, on a plus de 60 centres à travers 15 pays. Donc, plus on avance, et ça c'est depuis 2005. Ça veut dire que jusqu'à 2005, je faisais la ruqya chez moi à Paris, en France. Je n'avais pas formé 10 personnes en 10 ans. Hein? Mais la première fois que j'étais en Afrique, mashallah, en 3 semaines, au Niger, j'ai formé une quinzaine de raqis, j'ai fait 17 conférences, c'est ça. J'ai parlé 5 fois à la radio, et j'ai fait un stage de psychothérapie, j'ai rencontré les responsables associatifs, etc. etc. Mashallah. Ah, je me suis dit, moi je voudrais faire toute ma vie comme ça. Alhamdulillah, Allah Ta'ala a facilité que toute l'année, je suis en tournée. Même si je pouvais me multiplier pour aller dans plusieurs pays à la fois. Ah, mashallah, Allah Ta'ala nous aide. Mais voilà, Internet est là pour multiplier. Comme ça, on peut se faire voir par des millions de gens. Enfin, en tout cas des milliers. Ceci est une mise en garde. Je répète, ceci est une mise en garde sur un certain nommé Ben Halima. Ce Ben Halima, qui fait partie d'un mouvement qui est chargé de former les gens dans la spécialisation de la ruqya, prétend, n'est-ce pas, être un spécialiste de ruqya. Et lui-même, il le dit d'ailleurs dans ses audios que vous pouvez trouver au net. Il dit clairement qu'il a fait 10 ans en France, il a été incapable de former près de 10 personnes. Mais lorsqu'il est arrivé en Afrique, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, il a pu former plusieurs personnes. Alors, Ben Halima a trouvé donc son terrain, n'est-ce pas, où il peut exercer sa soi-disant spécialisation dans la ruqya. Mais ici, avant de... Parce qu'on va traiter ce problème, on va parler de ce sujet-là, sur la spécialisation de la ruqya ou dans la ruqya. Dans tous les cas, il prétend dans ses audios avoir une maîtrise en langue arabe et des diplômes, je ne sais trop quoi. Cette personne-là, lorsque vous l'écoutez, vous comprenez aisément et clairement, pour quelqu'un qui a un minimum de science, que cette personne a des incompréhensions dans sa religion. Et il fait des erreurs graves dont je me chargerai de répliquer ici. Bien sûr, pas toutes ces erreurs, parce que je vous assure que de ces erreurs, on peut en faire un livre. De ces erreurs, si vous écoutez ce que ce gars-là dit et vous méditez, vous allez voir qu'il fait tellement d'erreurs, je les ai répertoriées. Je vous assure qu'on peut faire un livre. Mais ici, je me chargerai de répliquer les erreurs les plus répandues. Et dont beaucoup de gens peuvent peut-être y ignorer. Mais avant d'en arriver là-bas, il faudrait d'abord que nous comprenions une règle qui est très importante. Et cette règle, c'est une règle que beaucoup de gens ignorent. Et c'est une règle qui a échappé également, n'est-ce pas, à notre cher Ben Halima. Hein? Ce cher Ben Halima, il a certainement oublié ou peut-être cette règle lui a échappé. C'est quoi la règle? La qaïda, c'est quoi? C'est que alam al-ghayb la tatakallam fihi illa bid-dalil. C'est-à-dire, le monde invisible, tu ne dois parler de cela qu'avec une preuve. Je répète, le monde invisible, tu ne dois parler de ça qu'avec une preuve. Pourquoi tu ne dois parler de ça qu'avec une preuve? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُوهَا إِلَّا هُوْ. Allah dit dans le Coran. C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul ne les connaît sauf lui. Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? C'est lui seul qui détient les clés de l'invisible. En d'autres termes,
si tu veux parler, parce que le monde des djinns, je répète encore et j'insiste, que le monde des djinns, c'est un monde, c'est le monde quoi? Il est invisible. Celui qui va prétendre qu'il voit un djinn dans sa forme réelle, je répète bien, comme dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, celui qui prétend qu'il voit un djinn dans sa forme réelle, sachez que c'est un menteur. C'est pourquoi l'imam Shafi'i dit, on n'accepte pas son témoignage. Son témoignage sera quoi? Sera rejeté. Et, bien évidemment, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il vous voit lui et ses adeptes, mais vous ne les voyez pas. Mais vous ne les voyez pas. Donc le djinn, on ne peut pas le voir dans sa forme réelle. Oui, on peut le voir s'il prend une forme. Hein, parce que le djinn peut prendre une forme d'un animal, etc., d'une personne, etc. Bref. Mais dans sa forme réelle, on ne peut pas voir le djinn. Donc, en d'autres termes, si tu veux parler des choses dont on ne voit pas, qui rentre dans le domaine de l'invisible, il te faut des dalils. Et que j'entends par dalil, le Coran, la sunna authentique, bifahm salaf salih, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Alors, si quelqu'un aujourd'hui venait dire que lorsque le djinn, il rentre dans le corps de quelqu'un. Parce que, pour la petite histoire, je tiens à rappeler que les djinns peuvent rentrer dans les corps des gens. Comme c'est venu dans le Sahih Muslim et bien d'autres, il y a plusieurs dalils, parmi lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple, « Iza tasa'ab ahadukum falyurattifa fa inna shaytana yadkhul » Le hadith dans le Sahih Muslim. Le prophète dit, « Si l'un d'entre vous bâille, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'il ferme sa bouche. Car le shaytan rentre. » Car le shaytan rentre. Donc nous avons des dalils clairs qui nous montrent que le shaytan rentre dans le corps des gens. Et dans le Sahih al-Bukhari, le prophète Mohammed nous a très bien dit que « Inna shaytan yajir min al-insan majra dam » Il nous dit clairement dans le Sahih al-Bukhari que le shaytan, il circule dans le corps de l'être humain comme circule le sang. Donc shaytan peut rentrer dans le corps de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais je tiens à rappeler qu'il y a un point qui est important ici. C'est quoi? C'est que toute personne qui viendra vous dire que le djinn, lorsqu'il est rentré dans le corps, il s'est mis à tel ou tel endroit, il s'est installé à tel ou tel endroit, demandez-lui de vous apporter un dalil qui justifie ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire du Coran ou de la Sunna. Pourquoi? Parce que ici, tu es en train de parler d'un domaine invisible, c'est-à-dire on ne voit pas. On ne voit pas où le djinn est, on ne le voit pas. Donc si toi tu prétends que le djinn il s'est instauré dans un endroit ou dans un autre endroit du corps ou quelque part, il faut que tu apportes quoi? Une preuve du Coran ou de la Sunna qui justifie que ce djinn-là, il est à tel endroit. Pourquoi? Parce que vous allez entendre des gens aujourd'hui. Ils vont vous dire que lorsque le djinn rentre dans le corps de la personne, il se met au niveau de la tête. Bon, il a eu ça où? On ne sait pas. D'autres, non, le djinn, lorsqu'il rentre, il se met au niveau du pied. Bon, il a eu ça où? On ne sait pas. Et c'est pourquoi vous allez voir que Ben Halim, dans ses durus ou dans ses audios, tout ce que je veux vous faire sortir ici concernant Ben Halim, je les ai pris dans ses audios. Et les audios, vous pouvez les trouver au net. Il dit dans ses audios, par exemple, que lorsqu'il attrape le djinn, quand on va parler, parce qu'il a une méthode, soi-disant qu'il dit la méthode de captage, et Inch'Allah, peut-être on va détailler ça vers la fin. Il dit quoi? Qu'il tape au niveau du cou. Parce que le djinn se trouve au niveau du cou. Bon, il a eu le dalil de ça où? On ne sait pas. Bref. Donc, je disais tantôt que la règle, c'est quoi? C'est que si tu veux prétendre que le djinn se trouve dans tel ou tel endroit, il faut que tu apportes un dalil qui justifie cela. Maintenant, quelqu'un peut me dire, non, le djinn peut m'informer, c'est-à-dire que le djinn peut me dire qu'il est à tel endroit. Donc, je n'ai pas besoin d'un verset du Coran ou bien d'un hadith qui prouve que le djinn se trouve à tel endroit. Le djinn peut me le dire. Nous allons te dire, mon frère, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari, le hadith d'Abu Huraira, que vous connaissez tous, où le djinn, où le shaitan s'était, c'est-à-dire manifesté, il a pris l'apparence humaine. Et il est venu voler quoi? Des dates. Vous connaissez tous le hadith. Qu'est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à la fin du hadith? C'est qui nous intéresse. Lorsqu'il a orienté Abu Huraira, c'est-à-dire le shaitan, lorsqu'il a orienté Abu Huraira à faire quoi? À lire Ayat al-Kursi. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit « Sadaqaka wa huwa kazoub ». Le prophète a dit « T'as dit la vérité, pourtant c'est un menteur. » Et pourtant c'est un menteur. Ça c'est très important pour nous de comprendre. Parce que ça échappe beaucoup à notre
soi-disant prédicateur Ben Halim. Le prophète dit qu'il a dit la vérité, mais c'est un menteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, le djinn, il peut mentir. Il peut te mentir. Qu'est-ce qui te dit qu'il a dit la vérité quand il te dit qu'il est au niveau de la tête? Ou bien quand il te dit qu'il est au niveau du pied? Qu'est-ce qui te prouve qu'il a dit la vérité? Or que le prophète te dit que c'est un menteur. Et regardez un peu comment les gens s'égarent. Une personne que tu vois. Parfois, une personne que tu vois, tu arrives à voir cette personne, tu parles avec cette personne. Parfois, cette personne arrive à te mentir. Mais tu es incapable de détecter que cette personne est en train de mentir. Ça, c'est une personne que tu vois, que tu peux toucher. Mais que dire d'une personne que tu ne vois pas ou bien d'une chose que tu ne vois pas? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, une personne que tu vois, parfois tu es incapable de détecter qu'il ment. Mais maintenant, une chose que tu ne vois pas, comment peux-tu être sûr que ce qui t'est dit est vrai ou faux? Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est déjà des points qui sont importants pour nous de comprendre parce qu'on a l'impression que notre Ben Halima, il ignore cette chose-là. La manière dont il parle du monde de djinns, c'est comme si, c'est-à-dire, il voit le djinn. Et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi on déconseille souvent beaucoup de gens de parler avec des djinns quand on fait la ruqya. Pourquoi tu veux parler avec le djinn? Parce que quand tu parles avec le djinn, il peut te dire des choses qui sont fausses. Il peut te dire, par exemple, qu'il est sorti, et en réalité, il n'est pas sorti. Qu'est-ce qui te prouve qu'il est sorti? Qu'est-ce qui te prouve qu'il est sorti? Vous voyez? Oh non, j'ai parlé avec le djinn, il a dit qu'il est dans ce corps depuis 2 jours. Bon, il a dit que non, c'est un chrétien. Il a dit que c'est tel qu'il a envoyé. Tout ceci, qu'est-ce qui te prouve que c'est vrai, mon frère? Tu ne peux rien affirmer ici. Le prophète te dit que c'est un menteur. Donc ça veut dire qu'il est capable de te mentir. Maintenant, qu'est-ce qui te prouve que là, il a dit la vérité? Hein? Et regardez ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Ibn Ars. Lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé au djinn de sortir de son corps, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, « Ukhruj ya adu Allah, ana rasulullah. » Le prophète a dit quoi? Il a dit, « Sors, ô ennemi d'Allah, je suis le messager d'Allah. » Le prophète a frappé au niveau de sa poitrine. Mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il est authentique, comme le Cheikh Al-Albani et beaucoup d'autres. Lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il dit à ce djinn de sortir du corps de ce compagnon-là, le prophète a-t-il dit à ce djinn-là qui t'a envoyé? Le prophète a-t-il dit à ce djinn-là, tu es musulman ou tu es chrétien? Le prophète a-t-il dit à ce djinn-là, bon, il faut que tu deviennes musulman? Le prophète a-t-il dit à ce, a-t-il fait revenir ce djinn-là pour le tuer, comme dit notre frère Ben Halim, a dit que la technique de captage, donc tu fais revenir le djinn et puis tu le brûles ou bien tu le tues? Le prophète a-t-il fait ça ici dans ce hadith? Toi, tu veux dire qu'aujourd'hui, tu viens après 14 siècles. Tu viens aujourd'hui, après 14 siècles, tu viens, tu nous dis non, on doit, même si le djinn est sorti, on doit le ramener, et puis on lit, on doit le brûler, ou bien on doit le tuer, etc. Et qui te dit qu'il est en train de se brûler? On va en parler. Parce que c'est parmi les déviations de qui? De Ben Halima. Mais déjà ici, je tiens à rappeler cette règle qui est très importante, comme je vous l'ai dit. C'est une règle très importante. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à ne pas vous égarer. Le monde de l'invisible, il faut avoir des dalils. S'il n'y a pas de dalils, ce n'est pas la peine de s'aventurer à raconter n'importe quoi. Parce que ici, c'est un monde de l'invisible, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Et ici, quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sortir ce shaytan ou ce djinn du corps de ce compagnon, il n'a pas parler avec lui, discuter avec lui, que non, tu sors d'où, qui t'a envoyé, tu es musulman, tu n'es pas musulman, il n'a pas fait ça. Et le prophète Mohammed, sahih muslim, dit, fa inna khayra al-kalam kalamullah, wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dolala, wa kulla dolalatin finnar. Le prophète était plus que clair. La meilleure parole, c'est la parole d'Allah. La meilleure voix, c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et faites attention aux choses nouvelles, car toute nouveauté dans la religion est un égarement, et tout égarement conduit quoi? En enfer. Donc le prophète est plus que clair. La meilleure voix, c'est la voix du prophète. Toi, tu nous amènes maintenant une voix qui t'a précédé dans ça. Qui t'a précédé dans ça. Donc, retenez vraiment ce hadith qu'on vient de citer tout à l'heure là, parce qu'on aura besoin de ça quand on va parler de sa technique qu'il a nommée la technique de captage. Hein? Qui consiste à ramener le djinn
n'est-ce pas, à le brûler, comme il dit, avec certains versets ou un verset du Coran. Alors, j'espère que vous avez compris la règle. La règle, c'est quoi? C'est que tu ne dois parler dans le monde invisible. Si tu veux parler du monde invisible, il faut avoir des preuves. Pourquoi? Tout simplement, la raison en est que tu ne vois pas. Donc, comme tu ne vois pas, tu ne peux pas parler de ça. Parce que tu ne vois pas. Tu vas parler de ça que tu ne vois pas comment? Sauf si tu as quoi? Une information de celui qui connaît quoi? Parfaitement l'invisible qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous allons commencer. On va commencer par les déviations de Ben Halima. Parmi les déviations de celui-là ou de Ben Halima, il prétend avoir des objectifs. Vous allez voir, lorsque vous allez sur le net, vous trouvez, il a des vidéos, soi-disant, il met les objectifs visés. Parmi les objectifs, il vous dit parmi les objectifs que lorsqu'il arrive quelque part, parmi les objectifs, c'est quoi? Implanter un centre, n'est-ce pas, qui va se charger de former des gens ou de spécialiser les gens dans la ruqya. En d'autres termes, il forme des gens qui vont être des spécialistes dans quoi? Dans la ruqya. Une question se pose. Et cette question, on la pose à Ben Halim. Qui t'a précédé dans ça parmi les salafs? Parmi les compagnons, parmi les tabi'in, parmi les tabi'in. C'est-à-dire, qui parmi eux étaient des spécialistes en ruqya? Nous n'avons pas de spécialistes en ruqya, les frères. Dans l'islam, nous n'avons pas de spécialistes en ruqya. La ruqya, elle est venue propre, claire, dans la sunna du prophète Mohammed. Le prophète nous a expliqué comment cela se fait. Un musulman peut le faire. Il n'y a pas de spécialiste que lui, c'est lui le spécialiste de la ruqya. Vous avez eu ça où? Ce n'était pas connu de nos pieux prédécesseurs. Nos pieux prédécesseurs ne faisaient pas ça. Est-ce que les compagnons du prophète étaient des spécialistes dans la ruqya? Ils ouvraient maintenant, c'est-à-dire quelqu'un va maintenant ouvrir un centre, un compagnon a maintenant ouvert un centre où il est chargé de former des gens dans la ruqya pour que les gens deviennent maintenant des spécialistes dans ça. Et moyennant quoi? Moyennant une contrepartie. Est-ce que les compagnons faisaient ça? Les tabi'in qui sont venus après, est-ce qu'ils faisaient ça? Hein? Est-ce qu'ils ont ouvert des cabinets de ruqya où ils étaient maintenant devenus des soi-disant des médecins de ruqya, donc spécialistes dans la ruqya? Le musulman doit faire la ruqya lui-même. Le musulman doit faire la ruqya lui-même. Et c'est vrai. Nous n'avons pas de spécialistes en ruqya. Et regardez, c'est le danger de ça. Lorsque quelqu'un prétend être un spécialiste en ruqya, vous savez ce qui se passe? Il ouvre un cabinet, par exemple, et il décide, il commence à former les gens, etc. Qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à s'attacher à lui. Les gens ne vont plus s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils vont maintenant s'attacher à lui, en pensant qu'il a un pouvoir spécifique. Et lui, s'il ne fait pas attention, même il peut s'égarer. Parce que lui-même aussi, il peut penser que « Ah, j'ai un pouvoir spécifique. » C'est pourquoi, hein, quand je fais la ruqya, parfois ça marche. Et regardez les dangers. On doit rattacher les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas rattacher les gens à qui? On ne doit pas rattacher les gens aux ashkhas. On ne doit pas rattacher les gens aux gens. On rattache les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Et effectivement, Ben Halim, hein, il le dit dans une de ses vidéos. Il dit quoi dans l'une de ses vidéos? J'ai dit, tout ce que j'ai dit là, vous pouvez trouver ça honnête. Vous frappez, il a au moins peut-être une affaire de 3 vidéos où il détaille comment il faut faire les ruqya, les méthodes, etc., ses objectifs. Et il a peut-être d'autres vidéos. Dans ces vidéos-là, il dit quoi? Il dit, lorsqu'il arrive dans un endroit pour faire la ruqya, suivez ce qu'il dit, hein, parce que vous allez confirmer ce que je viens de vous dire tout à l'heure, que tu penses maintenant que tu as un pouvoir spécifique et les gens vont s'attacher à toi. Il dit quoi? Il dit que lorsqu'il arrive dans un endroit, s'il y a peu de gens, c'est-à-dire s'il y a peu de gens qui viennent le voir, lorsqu'il va partir de cet endroit, même s'il laisse des toulables, même s'il laisse des élèves qui ont appris avec lui, comment il faut faire la ruqya, etc., il dit, si de sa présence, il y avait peu de gens, il dit, lorsqu'il va partir, il n'y aura pas de gens. Lui-même, il dit pourquoi? Il dit, parce que les gens, ils cherchent à me rencontrer, moi. Et non pas quoi? Et non pas mes étudiants. Ça montre quoi? Et il est content de dire ça. Ça montre que les gens maintenant se sont rattachés à qui? À lui. Nous disons non. Nous disons quoi? Non, c'était pas, ça ne faisait pas partie de quoi? De la voix de nos pieux prédécesseurs, ça ne fait pas partie de la voix de nos salafs. Rattacher les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas de rattacher les gens aux créatures. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, qui est venu dans le Sahih al-Bukhari,
et musulmans, et que vous connaissez certainement. Ce hadith, lorsque le prophète a parlé des 70 000 personnes qui vont rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment, et dans une autre version qui a été authentifiée par Ibn Hajar et le Cheikh Al-Albani, on va dire « Wastazaddu Rabbi fazadani fi kulli alf sabi'in » Il dit « J'ai demandé à mon Seigneur de m'ajouter, il a ajouté dans chaque mille combien ? 70. » Ça c'est une version qui a été quoi ? Authentifiée par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et le Cheikh Ibn Hajar, rahimahullah. Lorsque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit que 70 personnes, 70 000 personnes avec l'ajout, ils vont rentrer au paradis sans jugement, sans châtiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons ont commencé à diverger entre eux. Qui sont-ils ces gens-là? Certains disent peut-être que ce sont les compagnons du prophète, d'autres disent peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam, etc., etc. Mais qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète a dit, suivez attentivement le hadith, il est en Bukhari muslim. Le prophète a dit, هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. C'est très important ce hadith. Le prophète a dit quoi? هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Le prophète a dit, ce sont ceux-là qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya. Et je profite à rappeler qu'il y a une version dans le Sahih Muslim qui est venue dire وَلَا يَرْقُونَ, c'est-à-dire ils ne font pas la ruqya. Cette version elle est chaz, elle est da'ifa, lam tasbut, walam tasih. C'est une version qui n'est pas quoi authentique, comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et le Cheikh al-Albani. Ils ont dit clairement que cette ziyada là qui dit que la yarqun, c'est-à-dire ils ne faisaient pas la ruqya, hein, c'est une ziyada de Saïd ibn Mansour qui fait partie des professeurs de l'imam Muslim. C'est une version qui est chaz. La version qui est authentique, c'est la version qui dit humul lazina la yastarqun, ce sont ceux-là qui ne demandent pas qu'on leur fait la ruqya. Ils ne font pas la cautérisation, ils ne rentrent pas dans les superstitions et ils placent toute leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce qui nous intéresse dans le hadith, c'est que le prophète a dit, parmi les gens qui vont rentrer au paradis sans jugement, sans châtiment, hum lazina la yastarqun. Sans châtiment. Ce sont ceux-là qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya. Donc si toi tu veux faire partie, toi mon frère musulman ou ma soeur, si tu veux faire partie des gens qui vont rentrer au paradis sans châtiment, le prophète a dit ici, il a donné les critères. Parmi les critères, il ne demande pas qu'on leur fasse la ruqya. Que fais la ruqya toi-même? Il dit sauf pour dans des cas vraiment de contraintes où tu es incapable, etc. Mais fais la ruqya toi-même. Pourquoi tu vas aller demander à tel de te faire la ruqya? Qui t'a dit qu'il n'y a que lui qui peut faire la ruqya? Vous voyez? Donc tout ça, c'est quoi? Les gens veulent faire quoi? Ils veulent se faire de l'argent, les gens veulent se faire des noms, les gens veulent, c'est-à-dire que les gens soient maintenant autour d'eux, etc., etc. Tout ceci, c'est des mauvais comportements qui ne sont pas quoi? Qui ne sont pas tolérés. C'est pourquoi on dit toujours, soyez des médecins vous-même. Soyez quoi? Des médecins vous-même. Devenez des médecins vous-même. C'est simple, l'islam nous a expliqué comment ça doit se passer. L'islam nous a expliqué comment ça doit se passer. Il n'y a rien de compliqué dans la ruqya. Je dis bien, il n'y a rien de compliqué dans la ruqya. C'est propre et c'est clair. Jade. Alors, parmi les déviations de Ben Halima, écoutez, hein, parmi les déviations de ce frère-là, parce que je vous assure que c'est quelqu'un qui est égaré. Sans doute, Jazman, il est égaré. Parmi les déviations, il dit quoi? Il dit si quelqu'un a mal au ventre, de manière répétée, il dit même si le médecin dit qu'il a un ulcère, il dit ça prouve en réalité qu'il a été ensorcelé. Écoutez, hein? Il dit si quelqu'un a mal au ventre de manière répétée, il dit parce que c'est pas normal, quelqu'un ne peut pas avoir mal au ventre de manière répétée. Il dit si c'est le cas, même si le médecin dit que tu as un ulcère, il dit ça prouve que tu as été ensorcelé. Haz al-kalam batil. Ça, c'est nul et non avenu et faux. Qu'est-ce qui te dit? Qui t'a dit qu'il a été ensorcelé? Juste parce que quelqu'un a mal au ventre de manière répétée, ça veut dire qu'il a été ensorcelé? Regardez-moi les choses comme ça. Quelqu'un il a mal au ventre de manière répétée. Le médecin dit qu'il a un ulcère. Toi, tu dis non, ça ne peut pas être normal. C'est forcément quoi? Il a été ensorcelé. Pourquoi? Pourquoi tu dis qu'il a été ensorcelé? Le compagnon du prophète, il y a un compagnon du prophète qui avait mal au ventre. Il avait quoi? Mal au ventre. Le prophète a envoyé quelqu'un lui dire de prendre quoi?
à l'asal, c'est-à-dire le miel. Il a pris le miel, il avait toujours mal au ventre. Et l'autre est venu, il est venu dire au prophète que mais il a pris, mais ça continue toujours. Le prophète a dit quoi? Que va lui demander toujours de prendre. Ainsi de suite, comme ça, il a pris jusqu'à ce que le mal de ventre est parti. Mais le prophète n'a pas dit à ce compagnon que non, bon, comme il a dit que c'est pas encore, le mal de ventre continue toujours, ça veut dire qu'il a été ensorcelé. Le prophète ne lui a pas dit ça. Le prophète ne lui a pas dit que, comme il a toujours mal au ventre, il faut lui dire que là maintenant, c'est plus normal, il a été ensorcelé. Mais toi, tu viens avec des afkars. On ne sait pas où tu es parti. Qui t'a précédé dans ces afkars-là? Et regardez comment ils embrouillent les gens. Ils viennent avec des trucs qui viennent. C'est-à-dire ça perturbe les gens. Quelqu'un, maintenant, il aura mal au ventre. Pendant 2 jours, par exemple, c'est fini. Il va penser que, bon, là, j'ai été ensorcelé. Parce que Ben Halim a dit que quand tu as mal au ventre de manière répétée, ça veut dire que tu as été ensorcelé. Quelqu'un va aller chez le médecin, va dire que tu as un ulcère. Il va dire non. Ben Halim a dit que je suis ensorcelé. Mais regardez un peu la gravité des paroles de ce gars-là. Et après, il te dit, on va te donner ce qu'on appelle le Sénat. Tu vas le prendre pendant 6 ou 8 jours. C'est-à-dire 6 jours ou bien 8 jours. Il dit, mais si ça fait trop mal, tu prends pendant 10 ou 12 jours. Si ça fait un peu mal, tu prends pendant 4 jours. Tout ce tafsil-là, tu as eu ça où? Tout ce détail-là, tu as eu ça où? Et quand c'est un peu mal, il faut prendre pendant 6, 7. Quand c'est 3, tu as eu tout ça où? Et il vient avec des hadiths da'ifa. Maudou'a. La aslalaha. Quelqu'un qui ne fait même pas la différence entre les hadiths qui sont authentiques et les hadiths qui sont pas authentiques. Comment on peut écouter ce genre de personnes-là? Il amène des hadiths selon lesquels il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bisina wa la marra fissana. Il dit que le prophète a dit quoi? Alaykum bisina wa la marra tan fissana. Ça, c'est un hadith la yasah. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Le sina, le sénat, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une plante, une sorte de plante. Hein? Certainement, vous l'avez déjà écouté, il parle de ça. Il te donne ça, il te fait bouillir soi-disant, et puis tu bois, puis il dit que ça brûle le sihr là-bas dans le ventre. Et il amène un hadith comme ça que le prophète a dit, que prenez le sina même une fois dans l'année. Ça c'est un hadith, je dis bien la yasuh, la yasbut. Et je lance un défi à Ben Halim, qui m'amène ce hadith avec ces termes, bisanadin sahih. Et nous allons voir, avec une chaîne de transmission authentique, et nous allons voir. Ce hadith n'est pas authentique. Mais quelqu'un comme ça, là, comment on va l'écouter? Il amène un autre hadith, da'if. Il dit que le prophète a dit, Al-hijama shifa min arba'ina da. Que le prophète a dit que le hijama soigne 40 maladies. Hadith la yasih. Et dans une autre riwaya, il dit que le prophète a dit, que le hijama ilaj min as-sihr. Regardez quelqu'un comme ça qui est rempli des hadiths da'if. Il est rempli, c'est-à-dire dans sa tête, c'est rempli des hadiths da'if. Et il vient balancer ça aux gens. Et des hadiths même parfois qui n'ont pas de asl. C'est-à-dire ça n'a même pas d'origine. Quelqu'un comme ça, comment on va l'écouter? Hein, les frères? C'est pourquoi le cheikh Fawzan, il a même fait ce qu'on appelle Naza'afi. C'est-à-dire, il a même débattu, il a même dit que qui vous a dit que le hijama, ça soigne le sihr? Le cheikh Fawzan le dit clairement. Il dit que le hijama soigne des maladies qui ont un rapport avec le sang. À la koulihal. Il vient avec des hadiths comme ça, da'if, et il attribue ce prophète. Et vraiment, j'espère que quand il cite ces hadiths-là, il ne sait pas que ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Parce que s'il le sait, et qu'il le dit comme ça, je crains qu'il ne rentre dans la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, « Man kazaba alayya muta'ammidan, fal yatabawwa maqa'dahu minan nar. » Celui qui ment sur moi, délibérément, volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Tu dis « Qala Rasulallah », tu dis « Le prophète a dit ». Et il s'argumente de ça. J'espère qu'il n'est pas au courant que ces hadiths sont da'if. Mais comment se fait-il que toi, tu viens avec des hadiths, tu ne fais pas le tasabout, tu n'essaies pas d'abord de regarder est-ce que c'est authentique ou pas, tu viens ramener ça aux gens comme ça. Et tu viens baser des croyances sur des hadiths de ce genre. Ça, c'est triste, ça. Et parmi les choses qu'il déplore, regardez ce qu'il dit. Hein. Il dit que si une femme ne fait pas d'enfant, on va lui faire un traitement 7 fois. Elle vient, on lui donne de l'huile, on lui donne de l'eau pour aller se laver. On va parler de ce problème d'eau-là. Hein? Lire dans l'eau, la ruqya avec de l'eau, etc. On va parler de Saint-Charles. Il dit, on va lui donner un programme, il va faire ça 7 fois. Et il dit, chaque fois qu'elle viendra prendre le traitement-là, le traitement qu'on va lui donner,
il dit, elle doit payer. Donc imaginez-vous, 7 fois comme ça, tu dois venir prendre le traitement là et tu dois payer. Après, vous savez ce qu'il dit? Subhanallah. Il dit, oui, c'est dur, mais quand on veut avoir un enfant, il faut aller jusqu'au bout. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je sais que c'est dur, mais quand on veut avoir un enfant, il faut aller jusqu'au bout. Vous imaginez combien ça peut faire une seule personne? 7 fois comme ça, tu vas, tu payes, tu viens pour prendre des choses qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas de asl. Et pourquoi spécialiser ces chiffres-là de 7 fois, de 12 fois, de 9 fois, de 3 fois? Pourquoi spécialiser ces chiffres-là? Ça, c'est on ne comprend pas. Et regardez les déviations. Regardez comment quelqu'un s'est établi, il est en train de dévier. Il dit, si on met la ventouse où il y a les djinns, d'abord, qui lui a dit que le djinn se trouve ici? On ne sait pas. Parce qu'il dit, on prend la ventouse, on met ça là où il y a le djinn, l'endroit où il y a le djinn. Qui lui a dit que le djinn se trouve là? Ça, c'est l'invisible. Et n'oubliez pas notre règle. Tu veux parler de l'invisible, il faut quoi? Les dalils, il faut des preuves. S'il dit, c'est le djinn lui-même qui m'a informé, qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Sachant très bien que le prophète Mohammed nous a dit que c'est un menteur. Est-ce que vous suivez? Alors il dit, si on met la ventouse là où il y a le djinn, écoutez, hein, c'est que... Longstein. Il dit, si on met la ventouse là où il y a le djinn, parce que, il dit que le djinn, en fait, il est là, il est en train de circuler. Donc, on le met dans un endroit. Quand on met la ventouse dans cet endroit-là, il dit, la ventouse va déchirer le djinn. Écoutez ce qu'il dit. Regardez, peut-être c'est des déviations. Quelqu'un comme ça, là, on est là, on va l'écouter. Il dit, la ventouse, là, quand on met ça là où il y a le djinn, ça déchire le djinn. Billahi alaykoum. Qui a dit à Ben Halima que quand on place la ventouse là où il y a un djinn, le djinn se déchire? Qui lui a dit ça? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a dit. Qui lui a donné cette information? Sachant très bien que on est ici dans le domaine de l'invisible. Et dans le domaine de l'invisible, si tu veux parler, il faut apporter quoi? Des preuves. Qui t'a dit que quand on fait le hijama, quand on place le hijama dans l'endroit où il y a le djinn, ça brûle le djinn? Tu as eu ça où? Qui t'a informé de ça? Vous voyez comment les gens sont en train de dévier? Mais les gens sont là, ils sont en train de l'écouter. Et nous sommes écœurés de voir que des frères, que l'on avait de l'estime pour eux, sont en train de soutenir cette personne, sont en train de propager, hein, de donner même son numéro en disant aux gens qu'allez-y, il est venu, il a une conférence, etc., le numéro de téléphone, etc. Tous les frères qui soutiennent ce gars-là, de près ou de loin, nous demandons à ces frères-là de craindre Allah. Nous demandons à ces frères-là de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit l'imam Rizogo, que ça soit Youssouf Ndiengui, que ça soit Youssouf Dolive, tous ceux qui soutiennent ou qui, de près ou de loin, contribuent à l'élaboration ou bien à l'épanouissement, n'est-ce pas, de la réalisation des objectifs de Ben Halima, nous disons ici qu'ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un égaré. Et il n'y a pas quelqu'un qui a un minimum de science, qui a pris son dîme propre, qui va douter de l'égarement de cette personne-là. Dans la sorcellerie, il vous dit, on va te donner de l'eau, tu vas te laver avec ça pendant 12 jours. Et il dit, regardez ce qu'il dit, hein, regardez comment quelqu'un est en train de dévier. Et je me demande comment les gens sont aveugles, ils n'arrivent pas à voir comment que ce gars-là est égaré. Il dit, l'huile qu'on va te donner, là, on va te donner une huile que tu vas frotter. Cette huile a un effet sur les djinns, c'est quoi? Il dit, quand tu frottes cette huile-là et que tu t'allonges, il dit, c'est comme si tu avais un manteau de feu. Donc ça brûle le djinn. Encore une fois. Qui a dit à Ben Halima que l'huile là brûle le djinn? C'est Allah qui lui a dit? C'est dans quel texte où il a vu que cette huile là brûlait le djinn? S'il dit non, c'est le djinn qui me l'a dit. Vous connaissez la réponse. Et il ajoute en disant, après avoir frotté l'huile, il dit, s'il y a un autre djinn, écoutez, hein, il dit, s'il y a un autre djinn, ça, tout ce que je suis en train de vous dire là, les frères, vous pouvez trouver ça sur le net, dans ses audios. Il le dit clairement, propre. Je n'invente rien ici.
Il dit ceci. Il dit, si un autre djinn, écoutez, il dit, si un autre djinn veut rentrer dans ton corps, il dit, ne peut pas. C'est compliqué, en fait. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que là, il y a du feu qui est là. Billahi alaykoum, les frères. Est-ce que vous trouvez que, c'est-à-dire, vous-même, quand vous écoutez ça, vous voyez que cette personne, elle est sur le chemin droit? Écoutez, il dit que si un autre djinn veut rentrer, il ne peut pas parce que lui, là, en fait, c'est comme un feu. Donc, il voit le feu. Donc, le djinn ne peut pas rentrer. Qui lui a donné toutes ces informations-là? Subhanallah. Sachant très bien qu'ici, on est dans le monde invisible. Qui lui a dit que non, cette huile-là, c'est le feu et que s'il y a un autre djinn qui veut venir rentrer, il n'arrive pas à rentrer parce qu'ici, il est en train de voir le feu? Qui lui a dit toutes ces choses-là? Il a pris ça dans quel texte? Mes frères, les choses sont claires que ça, c'est un égaré. Les choses sont claires. Comment on peut écouter quelqu'un comme ça? Écoutez encore ce qu'il dit. Une femme, elle a eu un djinn amoureux. Une femme, c'est-à-dire qu'il dit d'abord, si une femme, elle a un djinn amoureux, c'est-à-dire un djinn qui vient l'embêter, etc. Il dit, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se laver avec de l'eau. Où on a lu le Coran à l'intérieur. Puis elle prend un pagne, elle met ce pagne-là, et elle récite le Coran dans l'encens. Et elle met l'encens sous le pagne. Elle serait épargnée de ce djinn. Regardez hein, ce qu'il dit. Son dalil, c'est quoi? Écoutez le dalil. Il dit qu'il y avait une femme qui avait un djinn amoureux. Et ça ne partait pas. Alors cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle faisait souvent des rêves érotiques. Alors elle a eu une idée. Comme ça, hein, c'est venu comme ça. Cette idée, c'était quoi? C'était ce que je viens de vous expliquer là. C'est-à-dire, elle a lu dans le Coran, elle a pris l'encens, elle a lu dans l'encens, elle a mis l'encens sous le pagne, etc. Et cette femme l'a dit, après qu'elle a fait un rêve, elle a vu ce djinn-là, son sexe était quoi? Son sexe était coupé. Il dit, c'est-à-dire son sexe avait été grillé en fait. À travers quoi? À cause de l'encens qu'elle a eu à mettre sous le pagne. Regardez, hein? Voilà son dalil. Donc, de là, on a vu que si une femme a un djinn amoureux, bien un djinn qui est amoureux d'elle, qui l'embête, etc., elle fait des rêves érotiques. Qu'est-ce qui se passe? On va lui demander de faire ça. Regardez là où il se base. Regardez cette dalil. C'est-à-dire, tu viens légiférer les gens une pratique que tu as puisée de l'expérience d'une personne dont on ne sait même pas l'authenticité ou la véracité de ce qu'elle dit. Regardez-moi la gravité de ce genre de choses-là. Donc, une femme a fait quelque chose, une expérience comme ça, et maintenant, toi, tu prends ça, tu viens légiférer ça aux gens. Et après, on ne sait même pas d'abord cette femme, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a eu à dire ou c'est pas vrai, on ne connaît pas la véracité de ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a eu à dire. Et toi, tu viens faire quoi? Tu viens légiférer ça. Regardez comment les gens s'égarent. Et il dit, ça fait partie de la ruqya d'être inspiré. Regardez, hein? Il dit, ça fait partie de la ruqya. Demande seulement à Allah subhanahu wa ta'ala et il va faire quoi? Il va t'inspirer quelque chose. Donc, peu importe ce que tu auras comme inspiration, bon ou mauvais, il dit l'essentiel c'est que Allah t'inspire. Et il amène comme quoi il amène un hadith d'Abu Saïd al-Khudri. Regardez comment les gens sont en train de égarer. C'est-à-dire, ça m'étonne de voir des frères, c'est-à-dire, soutenir ce gars-là, ou bien propager ce qu'il est en train de faire. C'est une personne dont on doit mettre en garde. C'est une personne dont on doit s'écarter. Ce n'est pas une personne qu'on doit écouter. Il a fui la France parce qu'il était incapable, comme il l'a dit, de former 10 personnes. C'est en Afrique où il vient, comme les gens ne veulent poster à prendre la religion, c'est pour venir faire son foufou. Il prend quoi comme dalil? Il dit que c'est venu dans une version du hadith d'Abu Saïd al-Khudri, que vous connaissez, qui est dans Sahih al-Bukhari, où ils ont fait la ruqya à le chef d'une tribu. Bien évidemment, les savants divergent, est-ce que c'était un musulman, c'était pas un musulman, c'est pas ça là-bas le débat. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le compagnon a fait la ruqya et le chef de la tribu a été guéri. Il y a une version qui est venue dans Ibn Hibban et Daraqutni, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon-là, wa ma yudrika annaha ruqya. Qui t'a dit que c'est une ruqya? C'est-à-dire, qui t'a informé, n'est-ce pas, que la Fatiha, c'est la ruqya? Faqala shay'un nafasa fi ru'i. Et là, la version d'Ibn Hibban, il a dit, Shay'un
Al-qahu Allah fi nafsi. Il dit, le compagnon dit, c'est quelque chose qui est venu comme ça dans mon cœur. Ou c'est quelque chose qu'Allah a, t'as dit, que mis dans mon cœur. Il dit, voilà. Donc de là, on retient que tu peux être là, tu demandes à Allah de t'inspirer, il t'inspire et puis tu trouves quelque chose, comment tu peux, hein, pour faire la ruqya en fait. Nous disons, haza l'istidlal laysa bisahih. Ça, c'est un istidlal qui est nul et non avenu. Donc ça veut dire que quelqu'un ici, il peut avoir une inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant la ruqya. Donc il fait tout ce qui passe par la, tout ce qui lui passe par la tête, il fait parce qu'il y a une inspiration. Nous disons, ça c'est un istidlal qui n'est pas sahih. Lèche. Pourquoi? Nous nous posons la question. Ce compagnon-là, ou bien cette ruqya-là, elle est devenue ruqya pourquoi? Est-ce qu'elle est devenue ruqya parce que ce compagnon-là a eu à faire cela? Ou bien elle est devenue ruqya parce que le prophète a approuvé? C'est parce que le prophète a approuvé. C'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a approuvé cela. Supposons. C'est-à-dire que si on suppose par exemple qu'il n'y a pas vu un texte qui nous parlait de la ruqya avec le Coran par exemple, et on n'a aucun hadith par exemple, on suppose, on n'avait aucun hadith où le prophète a fait la ruqya, aucun verset du Coran qui nous explique qu'on doit faire la ruqya avec le Coran, etc. Et le prophète, on n'avait aussi aucun hadith, j'ai dit bien à supposer, hein, comme Allah a dit, In kana lirrahmani waladun fa anna awwalul abidin. Hein, comme Allah a dit dans le Coran, a dit au prophète de dire, si Allah avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. C'est quoi? On appelle, c'est-à-dire, supposons, c'est-à-dire, même si on supposait, supposons qu'Allah avait un enfant, ça ne veut pas dire qu'Allah, on sait tous qu'Allah n'a pas, Allah n'a pas d'enfant. Mais Allah dit au prophète de dire, qu'il dit, si Allah avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Alors nous disons, à supposer qu'il n'y avait pas de hadith où on nous a parlé de la ruqya avec le Coran, il n'y a aucun verset qui parlait de ça. Nous n'avions seulement que cet acte du compagnon-là, où il dit que c'est quelque chose que, qui est venu comme ça dans mon cœur. Est-ce que ça, ça devait être un dalil pour nous? Ça devait être un dalil. Ici, je tiens à rappeler à Ben Halima un point qui est important, peut-être qu'il lui échappe. C'est quoi? C'est que le compagnon du prophète, pardon, il peut faire ce qu'on appelle un ijtihad. Et l'ijtihad, yakbal sawab wa yakbal al khata. L'ijtihad peut s'avérer correct, comme peut ne pas s'avérer correct. Ça, on appelle ça quoi? C'est l'ijtihad, un effort du raisonnement. C'est pourquoi vous allez trouver que ce n'est pas tout l'ijtihad qu'un compagnon a eu à faire qui est nécessairement correct. Non. À quel moment ça va être correct? Si par exemple cet ijtihad est en conformité avec l'approbation, c'est-à-dire que le prophète a approuvé cela par exemple, là oui c'est correct. Ou bien c'est un ijtihad, ou bien il a parlé, c'est une mas'ala où, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas qu'il puisse faire l'ijtihad sur ce point-là. Je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez tous le hadith d'Ammar ibn Yasir dans le Sahih Bukhari Muslim. Il dit qu'il est en état de janaba. Le prophète l'a envoyé dans une expédition. Et il est en état de janaba. Il n'a pas trouvé de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il s'est enroulé au sol. Il s'est enroulé au sol. Parce qu'il s'est dit que ben, le janaba, on verse de l'eau sur tout le corps. Bon, puisqu'il n'y a pas l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la terre, puisque la terre, c'est aussi un moyen de purification. Donc on doit déverser la terre sur tout le corps aussi. Alors il s'est enroulé au sol, il est comme un animal. Parce qu'il pensait que c'était comme ça. Et lorsqu'il est venu voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Le prophète a dit, il te suffisait juste de faire cela avec tes mains. Et il lui a expliqué. Est-ce que quelqu'un peut venir aujourd'hui? Il lui dit, bon, Ammar ibn Yasir là-bas, il s'était enroulé au sol. Donc moi, si je suis en état de janaba, je m'enroule au sol. On va te dire, non, kif. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré comment il faut faire. Le prophète n'a pas approuvé cette manière de faire. Il n'a pas dit non, ce que tu as fait c'est bon. Il n'a pas dit ça. Mais il lui a plutôt montré ce qu'il devait faire. Donc pour dire que ce n'est pas tout ijtihad qu'un compagnon a eu à faire qui est forcément correct.
Donc ici, ce hadith que toi tu prends pour dire que, parce que le compagnon ici a dit c'est une chose qu'Allah a mis dans mon cœur, pour prendre ça comme dalil maintenant pour dire que toute personne, tout ce qui va lui passer par la tête concernant la ruqya, il peut faire ça parce que ici c'est une inspiration, le compagnon s'est avait eu une inspiration, nous disons ça c'est bâtil. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce que le compagnon là a eu à faire. Toi qui as approuvé ce que toi tu fais, ce qui te passe par la tête, qui a approuvé? Mais ça peut aussi être une inspiration du shaitan. Ça peut aussi être une inspiration du shaitan. Alors, qui va venir confirmer ou qui va venir t'approuver que ce que toi tu es en train de faire là, c'est bien? Et ça ouvre même une grave, une porte, c'est-à-dire au danger. Parce que les gens peuvent maintenant tomber même dans le shirk. Imaginez-vous quelqu'un qui est ignorant, là, bon, Ben Halim a dit que on peut être inspiré dans la ruqya, etc. Donc, je vais un peu essayer de réfléchir comment je peux faire ma ruqya. Et puis, il a des idées comme ça qui lui passent par la tête. Après, il va dire c'est une inspiration. Et il commence à faire quoi? Il commence à faire la ruqya. Vous voyez? Mais les frères, quand vous regardez c'est-à-dire des telles aptitudes, des telles paroles, vous ne voyez pas que c'est grave. Et il est en train d'égarer les gens comme ça. Subhanallah. Alors, je disais que le sujet de l'eau, on va parler de ça, inshallah. Est-ce qu'on doit aller dans de l'eau, dans l'huile, tout ça là, on parlera de ça, inshallah. Parmi les déviations, hein, parmi les déviations de Ben Halim, il dit dans une de ses cassettes, qui est un audio bien sûr, qui est intitulé Méthode de Ruqya. Il dit tout ça, vous pouvez trouver ça sur le net. Méthode de Ruqya, c'est le titre de son audio. Il dit lorsqu'Allah a dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lorsqu'Allah a dit je vais mettre sur la terre un vicaire, ou bien un khalifa. Il dit les djinns étaient déjà sur la terre. Et ils avaient commis tellement d'erreurs. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, bon, comme vous avez commis trop d'erreurs, moi je vais mettre un khalifa, je vais mettre quelqu'un qui va respecter quoi? Ma volonté. Nous disons à Ben Halima de retourner encore, bien apprendre ce qu'on appelle le tahqiq. C'est-à-dire, il doit faire ce qu'on appelle le tathabut. Tu ne peux pas venir parler aux gens des trucs qui n'ont pas de asl. Ce n'est pas tout ce qu'on lit dans les kutub qui est nécessairement vrai. Ce n'est pas tout ce qu'on lit dans les koutoubes qui est nécessairement authentique. Et ça là, soi-disant qu'il y avait des djinns qui vivaient sur la terre, ils ont fait le désordre. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam que, eh bien, a dit aux malaïka que je vais mettre quelqu'un sur la un khalifa sur la terre. Vous les djinns, vous avez trop commis de désordre. Ça là, même si on trouve ça dans les koutoubes, il n'y a pas de sanad authentique qui est venu sur ce point-là. Je répète, il n'y a pas de sanad authentique. Comment on peut écouter quelqu'un qui ramène des gens des histoires sans d'abord faire ce qu'on appelle un tasabout, sans vérifier d'abord ce qu'il vient de dire aux gens? Et les gens vont baser leur croyance sur des conceptions pareilles, des choses qui n'ont pas de as, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas prouvées authentiquement, hein, jusqu'au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, ça montre encore quoi? Ça montre l'ignorance, ça montre, n'est-ce pas, le danger d'écouter quelqu'un comme ça. Et il va aller même dire que non, les djinns ne sont pas les khalifas d'Allah. C'est-à-dire, ce ne sont pas les vicaires d'Allah, mais c'est l'homme qui est le vicaire d'Allah. Vous savez, ce problème de vicaire-là, il faut faire très attention. D'abord, je tiens à rappeler un point qui est important. Notre religion ne passe pas, c'est-à-dire, notre religion, ce n'est pas je pense ou bien je sens. Parce que Ibn Omar, il a dit dans les Sunan Abi Daoud, Ali ibn Abi Talib, pardon, il dit dans les Sunan Abi Daoud, hadith authentique, sanad sahih. Le hadith a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Il dit ceci. Il dit, لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلى. طريب المسح. فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. Il dit, si la religion c'était la raison, la pensée de quelqu'un, il dit, on devait masser en dessous des chaussures et non pas en. Ils n'ont pas au-dessus. Il dit parce que c'est normal. Puisqu'en dessous, qu'est-ce qui est en dessous? Normalement, c'est la saleté qui est en dessous. Donc, normalement, c'est en dessous qu'on doit masser. Mais pourquoi on masse en haut? C'est pour dire que la religion, ce n'est pas la pensée. Il dit, j'ai vu le prophète masser où? En dessus. Donc, la religion, ce n'est pas le aql, ce n'est même pas ta raison, ta pensée. Et cette religion, elle est basée sur le isnad. Abdullah Mubarak disait, Al-isnad minad-din, walaw la isnad la qala mancha macha. Il dit la chaîne de transmission fait partie de la religion. S'il n'y avait pas de chaîne de transmission, chacun devait dire ce qu'il veut. Donc il ne suffit pas d'aller lire un livre.
Oh non, mais les djinns étaient sur la terre, ils ont commis des erreurs sans faire le tafabout du sanad. Non. Et puis quand on dit Khalifa ici, il y a des savants qui ont expliqué qu'en vérité, on ne doit pas dire Khalifa tout le monde. On ne doit pas dire que l'homme est le vicaire d'Allah sur la terre. Certains savants l'ont dit. Pourquoi? Ils disent parce que le Khalifa, c'est quelqu'un qui succède à quelqu'un. C'est quelqu'un qui fait quoi? Qui succède. Mais l'homme ne va jamais succéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Wali'az billah. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas. Et place ta confiance en Allah, le vivant, celui qui ne meurt pas. Donc, venez dire que l'homme est le vicaire. Parce que le khalifa, c'est quelqu'un qui te succède. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui va succéder à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Et Allah n'a pas dit dans le Coran, inni ja'ilu fil ardi khalifati. Allah n'a pas dit dans le Coran, il n'a pas dit je vais mettre sur la terre mon khalifa. Non. Il a dit je vais mettre sur la terre un khalifa. C'est-à-dire des hommes qui vont se succéder les uns après les autres. Et vous connaissez tous le hadith de du'a qu'on fait quand on voyage, qui vient dans le Sahih Muslim, hadith d'Ibn Omar. Lorsque le prophète nous enseigne le du'a, il a dit quoi? Subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarina hadha wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safar. C'est la partie qui nous intéresse. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fi al-ahl. Le prophète a dit quoi? Que tu es le sahib fi safar, le compagnon en voyage. Et tu es le khalifa fi al-ahl. C'est-à-dire que c'est toi qui es le khalifa, n'est-ce pas, dans nos familles. Et effectivement. Donc c'est plutôt même le contraire. C'est Allah qui est le khalifa. Donc on ne va pas dire que non, l'homme. Il est le khalifa d'Allah. Non. Et même les savants qui ont dit, comme Ibn Qayyim et bien d'autres, qui ont dit que l'homme est le khalifa d'Allah, quand ils disent le khalifa ici, ils disent c'est mimbav idorfa. C'est-à-dire, c'est comme si on disait naqatullah. C'est comme si on disait la chamelle d'Allah. C'est dans ce sens-là. Donc il faut bien faire le bayan aux gens. Ils disent quoi? Quand on dit khalifa ici, c'est-à-dire l'homme est le vicaire d'Allah, c'est-à-dire que khalifa, c'est-à-dire, comme on dit par exemple la chamelle d'Allah, la maison d'Allah. La mosquée d'Allah. C'est dans ce sens-là. Et non pas dans le sens où on va dire que l'homme va faire quoi? Il va succéder à... Alors c'est pourquoi cette ibara, cette phrase-là, il faut bien expliquer ça aux gens. Quand tu viens comme ça, tu viens, tu dis aux gens, l'homme est le khalifa d'Allah, intabi. Parmi les déviations de Ben Halima, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu peux tuer un djinn en rêve. Regardez comment quelqu'un est garé. Il dit, si tu vois un djinn en rêve, tu l'attrapes. Tu dis Bismillah et ça va le brûler. D'abord, qui lui a informé que le Bismillah va le brûler? Qui lui a dit ça? C'est le prophète, c'est Allah. Qui lui a dit ça? On ne sait pas. Et, regardez, hein, subhanallah. Comment quelqu'un, il va tuer un djinn dans le rêve? Sachant très bien d'abord que quand quelqu'un dort, il n'y a pas de taklif sur lui. Pourquoi il n'a pas de taklif? C'est pourquoi on va te dire, par exemple, que quelqu'un qui a fait un rêve érotique pendant le mois du Ramadan, son jeûne n'est pas annulé. Il a dormi. La plume est levée sur trois personnes. Parmi eux, An-na'im hatta yastayqiz. Le hadith d'Aïcha, Mustan Imam Ahmed et bien d'autres. Hadith authentique. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Bon, toi tu viens demander aux gens, dans les rêves, d'attraper les djinns, de les brûler en disant Bismillah. Tu as eu ça ou qui t'a précédé dans ça? Vous connaissez le hadith qui vient dans le Sahih du compagnon qui faisait des mauvais rêves. Et ces mauvais rêves-là l'attristaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu voir le prophète. Parce qu'il se voyait même qu'on coupait sa tête dans le rêve. Et le prophète lui a dit quoi? C'est Shaitan qui joue avec lui. Le prophète a dit quoi? Que c'est Shaitan qui joue avec lui. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ce qu'il fallait faire. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit ce qu'il fallait faire. Il a appliqué ça et il a dit, je n'ai plus eu de problème après ce jour-là. Le hadith est dans le Sahih. Mais, les frères, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il dit à ce compagnon-là, que bon, ok, ça c'est Shaitan qui t'embête, prochainement quand il vient encore dans le rêve comme ça, attrape-le, et puis lis Bismillah, et puis tu le brûles. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il dit ça à ce compagnon-là? Mais Yahri, toi tu viens 14 siècles après,
C'est-à-dire que tu viens après le prophète Mohammed, près de 14 siècles, après tu arrives et tu viens, tu nous dis non. Si quelqu'un a un djinn qui l'embête dans les rêves, il doit l'attraper dans le rêve, il dit bismillah, il le brûle, etc. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il y a une autre religion. Allah nous a tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tout informé. C'est-à-dire ce dont on a besoin, le prophète nous a informé de cela. La meilleure voix, c'est la voix du prophète. Le prophète ne nous a jamais dit que battez-vous avec les djinns dans les rêves, attrapez les djinns dans les rêves, brûlez les djinns dans les rêves. Mais subhanallah, comment tu peux m'amener des afkars comme ça aux gens? Comment tu peux venir détourner les gens de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète était clair. فَإِنَّ خَيْرُ الْكَلَمْ كَلَمُ اللَّهُ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Les frères, je vous mets en garde. Prenez garde de cette personne qu'on appelle Bel Hanima. C'est un dangereux et c'est un égaré. Il vous détourne de la voie du prophète Mohammed صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Et c'est plus que clair. Le prophète nous a enseigné quand on fait des mauvais rêves, qu'est-ce qu'il faut faire. Le prophète dit quoi dans le hadith de Jabir, rapporté par l'imam Muslim. Il dit إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْسُطْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وليستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. Et dans une riwaya il dit فليصلي ركعتين. Et dans une riwaya il dit فإنها لا تضره. Et dans une riwaya il dit فلا يذكرها لأحد. Le prophète nous a informé ce qu'il faut faire quand on fait un mauvais rêve. Le prophète dit si quelqu'un d'entre vous fait un mauvais rêve, il dit qu'il crache ou qu'il postillote à sa gauche trois fois, puis qu'il demande la protection d'Allah contre Shaitan trois fois, puis qu'il change de côté. Et dans une autre version, le prophète a dit, il fait les ablutions, il fait deux rakats. Dans une autre version, le prophète a dit qu'il ne raconte ce rêve-là à personne. Et dans une autre version, tout ça c'est dans le sahih. Le prophète a dit, ça ne lui causera aucun mal. Le prophète a dit, la tadurruhu, c'est-à-dire cette ru'ya, c'est-à-dire cette vision-là, ou ce rêve-là, ce mauvais rêve-là, ne te fera aucun mal si tu appliques ce que le prophète a dit. Tu fais quoi? Tu te lèves, tu postes à ta gauche trois fois. Tu changes de côté. Tu es sur le côté droit, tu vas sur le côté gauche. Tu es sur le côté, tu vas sur le côté droit. Tu fais quoi? Tu peux, si tu peux, tu fais les ablutions, tu fais deux rakats. Et tu ne racontes cela à personne. Le prophète dit ça ne te causera aucun mal. Le prophète ne nous a pas dit, non, battez-vous avec les djinns dans les rêves. Lorsque tu fais un mauvais rêve, bats-toi avec le djinn. Le prophète ne nous a pas demandé de faire ça. Toi, tu viens, tu apportes des choses que les salafs ne t'ont pas possédées. Toi, tu connais plus que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est mieux pour nous. Tu as découvert quelque chose de mieux que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment les gens sont en train de faire quoi? Sont en train d'égarer les autres. Parmi les déviations également de Ben Halima, il n'est pas possible qu'à notre époque, avec l'avancée de la médecine, il dit c'est pas normal qu'on ne trouve pas les causes de certaines maladies. Regardez un peu. Il dit c'est pas normal avec l'avancée de la médecine qu'on ne trouve pas les causes de certaines maladies. Mais ça c'est. Donc il dit que ces maladies sont liées à la sorcellerie. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit, c'est pas normal. Donc, ça prouve que ces maladies sont liées à la sorcellerie. Pourquoi? Combien de fois, combien de maladies, il y a de cela 20 ans, 30 ans, on ne connaissait pas la cause. Et aujourd'hui, on va vous dire que non, la cause de ça, c'est ça ou c'est ça. Ce sont des recherches. Ce sont des recherches. C'est comme les médicaments. Vous allez voir, par exemple, 20 ans, il y a de cela 20 ans, 30 ans, par exemple, il y a une maladie, on ne connaissait pas le médicament, et après, on a découvert. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément lié à la sorcellerie, parce qu'on n'a pas trouvé le remède, donc c'est lié à la sorcellerie. Ou bien parce qu'on n'a pas trouvé la cause, donc c'est lié à la sorcellerie. Ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas une qaïda, muqtarida. Vous voyez? Et voilà comment quelqu'un comme ça va venir, et il va venir égarer les gens avec ce genre de comportement. Pourquoi il veut tout lier à la sorcellerie? On ne sait pas. Regardez encore où il va s'égarer. Il dit, si quelqu'un s'énerve trop, il est constamment triste, ce sont des signes clairs qu'il a été ensorcelé. Mais non, qui t'a dit ça? Et tu viens affirmer des choses... T'as dit qu'il y a un rapport avec l'invisible, tu affirmes, tu confirmes, tu es sûr de ça. Comment tu vas dire que parce que quelqu'un est constamment triste, ça veut dire forcément qu'il est ensorcelé. Mais parce que ses mains, souvent, il y a des gens comme ça, ils sont par exemple colérés, c'est-à-dire ils sont toujours en colère. Ils sont impulsifs par exemple. Mais tu ne vas pas venir dire que quelqu'un comme ça, il est ensorcelé. Tu as eu le dalil de ça, ou la preuve de ça, c'est où? Après, maintenant, il rentre dans l'interprétation des rêves. Alors là, c'est le comble. D'abord, il dit que les cauchemars sont des signes d'ensorcellement. Non, ça c'est faux. C'est pas parce que quelqu'un a fait un cauchemar qu'il a été forcément ensorcelé. Non, nous avons des compagnons du prophète, comme je vous ai cité tout à l'heure, qui faisaient des cauchemars. Le prophète ne leur a jamais dit que vous avez été ensorcelé.
Vous voyez, on ne sait pas où est-ce que Ben Halima a eu toutes ces choses-là. Il a eu ça où on ne sait pas. Donc, il rentre dans les interprétations des rêves, soi-disant, si tu as vu ça dans le rêve, ça montre que ta magie s'est faite de tel endroit ou à tel endroit. Il dit par exemple, si par exemple quelqu'un a été ensorcelé par des nœuds, alors il fait quoi? Il voit des serpents en rêve. Et il est même allé très loin. Il dit, si tu vois des serpents dans le rêve, ça prouve que tu es ensorcelé. Regardez, hein. Il dit, si tu vois des serpents en rêve, ça veut dire que tu es ensorcelé. Il a eu tout ça là où? Ça, c'est le monde invisible. Comment tu peux affirmer que quelqu'un, parce qu'il a fait un rêve où il a vu des serpents, ça veut dire qu'il est ensorcelé? Mais les frères, l'égarement de cette personne est clair, c'est Beyin. Quelqu'un qui a un minimum de science, qui a pris son dîme, qui a ses principes de concernant la religion, il comprend aisément que cette personne a des problèmes, il est égaré. Et là, je vous dis bien, là, c'est le con. Parce que quand il rentre dans l'interprétation des rêves, alors là, c'est la catastrophe. Parce qu'il raconte des choses là-bas absurdes. Alors donc, les frères, il faut prendre garde contre cette personne-là. Il faut vous écarter. Il ne faut même pas l'écouter parce que c'est un égaré. Et il est en train d'égarer les gens. Et les frères qui le soutiennent, qu'ils craignent, alors je répète encore bien. Les frères qui le soutiennent, de près ou de loin, ou qui contribuent à l'épanouissement de ses objectifs, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On doit faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas aux gens. ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا